Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui, on se retrouve sur Supermarket Simulator. Et j'ai lu tous vos commentaires. De toute façon, je lis toujours tous vos commentaires. Je réponds même à tous vos commentaires. Il va me manquer du papier toilette, moi. J'ai passé quelques jours pour avoir de l'argent. Je crois qu'il y en a deux de chaque. Voilà. Pour avoir de l'argent et attendre simplement vos réponses, quoi. Et je vais, enfin plusieurs fois, il y a eu cette même réponse, ce même genre de commentaire, je vais vous expliquer une fois que j'aurai mis ça. Excusez-moi, j'ai eu un éternuement là. Alors, hop. Donc, ce que vous m'avez expliqué, c'est au niveau des fromages. C'est de mettre le parmesan ensemble et le gruyère avec avec le comté. Attends, non. Le parmesan avec le parmesan qui est là. Les yaourts. Alors, beurre. Là, vous voyez, il y a deux trucs de beurre. Donc, le mieux, ce serait beurre, beurre. Yaourt rose, yaourt blanc, yaourt rose, yaourt blanc. Crème fraîche, crème fraîche, crème fraîche, crème fraîche. Voilà. Et ça gagnerait de la place, c'est vrai. Donc, est-ce que j'ai des boîtes vides de parmesan là-dedans? Oui. On va directement utiliser les cartons vides ici. Hop. Bon, on le va mettre en bas. Hop, hop, vite, 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 hop, voilà. Non, 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 pas la peine, pas la peine. hop. On va faire pareil ici. Pas la peine, pas la peine, pas la peine. Et voilà. Alors, là, il n'y en a que 9. Enfin, il n'y en a que 9. Voilà. Voilà. Alors, normalement, c'est ce que vous m'avez dit, hein. Donc là, les parmesans sont ensemble. Ok. Est-ce que la gruyère peut aller avec un truc? Je sais pas. Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas. Va-t'en. Va-t'en. Faut se dépêcher, mais c'est ouf, quoi. Il y a un mode où on peut mettre le bouton pause. Ah, je vous raconte pas. J'attends que ça, quoi. Mince. Ben voilà, en plus, je fais une erreur. Non. Non. Casse-toi. Casse-toi. Ok? Tu te casses. T'es te bise. Ok. Je vaut mieux que j'en prenne à nouveau. Ah, il va falloir d'autres cartons. Donc. C'est le gruyage. Non. Et encore. C'est le gruyage, je le mets pas avec autre chose, c'est que je ne sais pas avec quoi mettre en fait.
Je sais pas, un autre fromage? Enfin, le parmesan, je comprends. Mais gruyère, ça va avec du gruyère, non? Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Alors, maintenant, le beurre. Ah, je crois que c'est ça le beurre. Donc le beurre. Ou alors, je regroupe les deux fromages. La mini-molette avec. Non, le gruyère avec le comté, la mini-molette avec la mozza. Je sais pas. I don't know. Mais casse-toi! Mais casse-toi! C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je les déteste vraiment. Ok. Alors, je fais hein, ce que vous m'avez dit. Hein, je. Yaourt rose là. Alors ça, je fais beurre rose rose crème fraîche beurre blanc blanc crème fraîche soit je fais beurre rose blanc crème fraîche beurre rose blanc crème fraîche pour l'instant je vais faire comme ça. Hop. On va mettre les yaourts blancs. Ah non, pas du tout, c'est pas les yaourts blancs. Ah non, je dois pas mettre les yaourts blancs. Ah, là, je dois mettre le lait. Hop. Et si ça vous plaît pas, ne montez pas sur vos grands chevaux. Ne dites pas non, c'était mieux avant, là c'est nul, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Dites-moi simplement ce que vous aimez pas. Moi je vous écoute, hein, je vous l'ai dit, je vous le dis plusieurs fois. La plupart de vos idées sont bonnes, j'ai envie de les mettre en pratique. Si ça vous déplaît, enfin si vous aimez pas, enfin dites-le, mais argumentez s'il vous plaît. Dites-moi pourquoi ça vous plaît pas. Est-ce que dans la réalité c'est pas comme ça? Pourquoi? Blablabla. Enfin, je veux vraiment quelque chose pour m'indiquer en fait la bonne voie. Est-ce que je veux faire et non juste c'est moche quoi. Quoique là, vous voyez, là je suis en train de me dire que c'est hyper beau en fait. Ça change et tout. Moi j'aime bien en tout cas. Donc oui. Vraiment argumenter, donnez-moi des exemples, montrez-moi, mais ne dites pas juste c'est moche et oublie. Alors la crème fraîche. Du coup la crème fraîche on va gagner de la place. Hein. On va pouvoir en mettre plus quoi. Parce que là. Attendez, hein. Ouais, je sais pas. Ouais, non, c'est pas mal. Et ça respecte la logique, plus gros au plus léger, non? Non? Ok. Crème fraîche là.
On va mettre le yaourt. Là. Ce qui fait que ça. Hop. Attends, on vérifie. Ok. Ce qui fait que ça, il n'y en a plus besoin pour l'instant. On va mettre là. Hop. C'est quoi qui bloque? La porte? De quelques millimètres. C'est une blague? C'est une blague? Oh là là! Je peux pas décaler, hein. Il faut juste quelques millimètres, quoi. Et là, j'essaierai à fond, quoi. Ah. Et pour agrandir, il me faut 60 000 et des poussières, quoi. On peut pas déplacer cette porte, là. Oh là là. J'en ai marre, moi, de soleil. Je sais pas où le mettre. Je sais pas où le mettre. Il n'y a vraiment pas. Non, il n'y a rien. Il veut pas. En plus, c'est les livres, ça, je suis bête. Seule solution, ce serait de mettre les fromages ensemble, quoi. Je gagnerais un truc, quoi. On va essayer. On va essayer, vous me dites si c'est pas bon ou pas. Mais n'oubliez pas, vous justifiez. On va partir sur comté gruyère. Ah non, c'est du parmesan, ça, je suis bête. Comté gruyère. Ah, je croyais que je pouvais en mettre plus. Bon, c'est pas grave. Tac. Tac. Hop, le gruyère, je l'ai mis. Ok. Donc là, comté gruyère. Quoi, il y en a deux encore?
Ok. Là, il me faudrait 4 cartons, quoi. Et là, mimolette parmesan. Mimolette. En fait, les armoires, je les trouve tellement chiantes. Vous savez pourquoi? Car. Ah, et puis attendez, j'ai fait le con là. Ah, va falloir que je décale tout. Parce que c'est. C'est par deux. Attends, comment je fais? Ou alors? Ah bah non, 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 non. Ah, ça m'énerve. Ah, et puis j'ai plus de carton là, je présume. Punaise. Mais il leur faut combien de cartons comment faire? Tam tam tam. Honnêtement, la seule solution que j'ai, vu que j'ai pas de carton, elle va déplaire à énormément de personnes. Et je vais me faire taper. Je vais me faire très taper. Ok. Bon. Non, je. Ce sera en dernier recours. Ce que je vais faire. Hop. Je vais faire une journée pour rien. C'est-à-dire que je vais pas mettre les stockers. Et je vais vider le magasin aussi autant que je peux. Histoire d'avoir des cartons et tout ça. Je vais faire ça. Ensuite, je vais arranger les. Ça, je vais être à court. Je suis sûr et certain que je vais être à court ces deux-là. Allez, on va essayer. Comme ça, après, j'ai des cartons. J'arrange tout ça. C'est vous hein, qui m'avez dit. Il y en a beaucoup qui m'ont dit de mélanger le produit pour éviter de faire comme les autres youtubeurs. Et aussi parce qu'il y a les restockeurs qui sont là. Après, je trouve ça logique parce que dans les rayons, il y a plusieurs différents produits. Si j'en mets plein. C'était parce que. Comment ça s'appelle? J'avais pas les restockeurs. Et que c'était plus facile, on va dire. Là, on a les restockeurs. Je peux en mettre plusieurs, du coup, je pense. Et j'avoue que le beurre, les yaourts et la crème fraîche, comme ça, je trouve ça assez joli. Pour le coup. Là, c'est pareil. On va descendre ça. Là, en fait, ouais, je crois que là, aujourd'hui, on va aménager. On va changer. Un peu de tout et on va préparer en fait pour la licence des animaux qui va arriver plus tard. Peut-être que comme ça j'aurai de la place pour ouais. Et je répète hein, là vous voyez de la place mais c'est normal, il y a une allée qui est contre le au niveau des caisses dans la vraie vie et il y a une allée pour sortir des caisses. Donc je vais pas j'entasse pas moi, voilà. J'entasserai pas de toute façon. Je me débrouillerai toujours avec votre aide. Et voilà. Et ça, est-ce que je mets les bleus en bas, les oranges en haut ou pas? Pour faire joli, je sais pas. Je ne sais pas. Et madame, bonjour. Voilà, je vais souffrir. 50 centimes, tenez. Je vais un petit peu souffrir. C'est pas grave, je vais y arriver. Monsieur, bonjour. Alors, 75,05. Cent vingt-deux virgule trente. Merci. Ah, je vais éviter les cartons de poulet parce que ça prend de la place pour rien. Ça
c'est les restockeurs, ils en laissent un à chaque fois. Monsieur, bonjour. Hop, 21. C'était lequel? J'arrive, j'arrive. Alors, hop. 54,90. Tenez. Oh, juste, ok, si vous voulez, pas de soucis, je ne suis personne pour juger. Ok, livre, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Oula! Ah non, c'est bon. Ok. Ok. Ah ouais, mais. Ah ouais, non, en fait, il faut juste que je regarde celui-là. Ok. Oh, 3 bouquins! 4 bouquins. 92,50, 7,50 pour vous. Et voilà. Ça part bien les bouquins quand même. Hop, tenez. Bonjour. Il y en a plein qui ont eu des shiny clients qui mettaient 4. Oh, 203. Cool. Qui mettait 3 produits, enfin 4 produits, j'en ai toujours pas eu moi. J'aimerais bien en avoir. Voilà. Tout va bien. Il faut que je mette des cônes glacées. Faut que je mette des cônes menacés. Voilà. On va allumer. On va mettre du poulet. J'arrive. $79, $20, $50, $60, $75, $7, $18, $19 et $0.20 pour vous, monsieur. Voilà. Ok. Donc là, on écoute. Ça part vite, hein. Il y a des choses qui partent tellement vite. En fait, quand on n'a plus les restockers, ça se voit tellement que ça part vite. Les bières, vous voulez que je les... J'en mette sur deux rangées aussi ou pas? Je peux faire... 3 vertes là, 3 oranges là, et 4 Heineken. Comment il était templé? BK? 4 BK ici. Ça vous va? Comme ça, je gagne un peu de place. Bah, dites-moi en commentaire. C'est vrai que je suis en train de réfléchir là. Et madame, bonjour. Vous voulez pas acheter un truc par 4, s'il vous plaît? Je veux que vous soyez shiny, madame. Devenez mon shiny, non? Par 4, monsieur. Elle en a fait une autre.
Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Un seul? Ah non, deux. Le papier toilette doit tenir, c'est bon. 103, 35. Et voilà. Y a rien par grâce là? Ah non. Nickel, le compte est bon, merci monsieur. Et bonjour. Oh là. Ça va faire la fête. 230. Oh, on a de plus en plus de clients à 200 et des bouquets, hein. 9,25. Tenez. Bon, bah. Ah, ah, ah. Attends, elle part ou elle vient ma caisse? Elle part. Et il n'y a plus de clients? Si, attendez. Il est là. Est-ce que je peux vous aider? Du gruyère? Encore un? Non? Ok. Des livres? Ok. Tu veux quoi? Deux. Ok. Cent trente-huit, 70. Ouais, voilà. On va attendre. On va passer la journée. Et ensuite, on va remplir les rayons. Histoire de se faire des cartons. Et puis, on va aménager, finir d'aménager ça. Pour que ça soit propre. Et pouvoir mettre le lait ici, du coup. J'aime beaucoup, en fait, cette disposition. Vous aviez été plusieurs à me dire ça, de mettre comme ça. Faire pareil pour tous les fromages, du coup. Produit trouvé trop cher, ok, 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 c'est bon. Alors, la nouvelle journée, bière, chips, sucre, 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 waouh, ça, waouh, bah, quoi? Ok. Et la bière, alors là, je sais pas du tout c'est laquelle. Bière. Ça doit être celle-là. Oui. Ok. Bon. Du coup, on va se focus sur les boîtes petites. En tout cas, la crème fraîche a bien tenu, le yaourt aussi, le beurre aussi, donc ça c'est cool. On va voir pour le comté, on va essayer d'éviter une boîte de comté. Comté, 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 comté. Hop. Parfait, ce qui fait qu'on peut éviter... qu'on peut... Attendez. J'avais dit que le mode... Ouais, ça va avec ça. Ah. Attendez, on va regarder s'il n'y a pas une boîte de mozzarella qui est entamée déjà. Je pense pas. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. La mimolette, c'était ça? Ok. Ah, 19, ça veut dire que... Il y a des trucs qui sont pas pleins. Ok. Parmesan.
Non, je fais pas. Le gruyère normal, c'est mort, je pense. Oui. Ok. Donc là. Attends, il y a un peu de comté encore, mais je crois que. Ouais, non, il est plein. Ok. Alors, peut-être qu'en viande. Non. Peut-être de la purée. Je vais faire tous les rayons et puis je vais chercher celui qui est le plus potable. Alors, ah, peut-être le café. Café noir et. Est-ce qu'il y en a qui sont à moitié vides? 24. Ah bah oui, parfait. Parfait ça. Attendez, mon rayon petit déj, il est où? Il est là. Parfait ça. Hop. Et. J'avoue, je le perds là, le gouda, enfin la mimolette. On enlève ça. Ensuite, on va transférer les yaourts et tout ça là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Non, si. Voilà. Ça, je l'enlève. Ensuite, yaourt. Non, ça c'est du riz. Je fasse quoi du riz, oui. Yaourt. Là. Sur deux étages. Comme ça. Crème fraîche 26 à 8. Donc la crème fraîche ici. Ok. Ça s'en va. Ça, ici. Le lit. Attends, c'est quoi le problème maintenant? Le lit comme ça. Je viens de recalculer un truc en fait. Je vais voir un truc là. Ouais, non. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal, non? C'est pas mal. Il faut des cartons pour ça. Alors, du coup, moi, ce que je voulais faire après. Donc c'était t'enlever ça. Il y en a encore? Ah non, en bas, pardon.
comme ça. Tac. On prend ça. On met là. Un javel. Attendez, je vais le mettre, ça me perturbe. Voilà. Je sais pas si j'en ai de cette taille. Si j'en ai deux. Ah non, pas du tout, c'est pas la même taille. Ah si, c'est la même taille. Tac. Ok. Ça, je suis sûr de moi. Ça, y a pas de souci, non. Ok. Ensuite, on m'a dit les deux trucs ensemble. Donc, ok. Je suis d'accord. Il y en a un qui est bien entamé ou pas? J'ai pas l'impression. Alors attends, le plus lourd en bas, je pense que le plus lourd c'est les packs. Ok. Boum 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 boum. Il est où mon boom? Il est là. Ok. Et là, bah, je n'ai plus de place. Enfin, les cartons sont pleins. Ah, il y a du lait là-dedans. Ok. Et voilà, donc ça c'est good. Ça c'est good, ça je l'enlève. Et en fait c'était pour mettre ceci qui est grosso modo en fait le reste de l'entretien. Donc là, ma question suivante. Ma question suivante est celle-ci. Enfin, ouais, en fait, vous n'allez pas pouvoir répondre puisque je vais tourner là, ma vidéo de ce soir tout à l'heure. Il y a la nourriture pour chat et chien que je ne sais pas où c'est. Le produit nettoyant. En fait, ce que je voulais faire, c'est. Je sais pas si. Je voulais mettre la javel ensemble. Mais je crois que ça part trop vite quand même la javel. Vaut mieux que je la laisse comme ça. Parce que des fois ils prennent 3 bidons de blanc. Et regardez, il n'y en a que 6 par étagère. Donc il m'en resterait que 12 en fait. Donc je pense que c'est une mauvaise idée. Mais ça, je peux les mettre ensemble. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Ultimate Green Power. Ou ça. Ça, je peux les mettre ensemble. Ça ferait que j'ai 3 places. Nourriture de chat, nourriture de chat, nourriture de chien. Ah non, non, non. Non. Je vais. Non. Je vais sûrement mettre. Ah ouais, mais des fois ils prennent 3. Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué.
Ouais, non. Ouais, je vais voir, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Parce que là, le temps passe. Ça, je vais le mettre en carton, n'ayez pas peur. Je vais, en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais remettre tout à la main. Donc, ça va être très long et très embêtant. Et ça va être à 41 minutes qu'on est en train de jouer. Et comme ça, je vais récupérer des cartons. Je vais vider ça, le mettre dehors. Rembaucher les restockeurs. Refaire tout le machin. Et puis ensuite, essayer de comprendre comment faire pour la nouvelle licence. En fait, ça, ce qui me dérange, c'est que j'ai pas de place pour une. Quoi? Elle sort d'où cette licence? Je l'avais pas achetée? Je m'en souviens pas. Ah ouais, je m'en souviens absolument pas. Produit italien possible. Bon, on fera cette licence ce soir. Voilà. Bref, du coup, moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.